Quant à Johnny, un mot quand même de votre formidable histoire d'amitié. Il vous remarque à vos tout débuts dans la chanson. Il vient vous parler en fait dans les coulisses d'un de ses concerts, c'est ça, hein? Oui, en fait, on est avec Monique Lemarcy, justement, au concert de Johnny au Zénith. On est en 84. Monique était à l'époque programmatrice d'RTL et elle m'avait emmené avec elle, voir Johnny. Et donc, on passe en coulisses. Et en passant en coulisses, il y avait donc Jean-Claude Camus, Monique Lemarcy et moi. Et Johnny sort de scène à ce moment-là. Avant d'arriver à sa loge, il passe devant nous. Et avant même de dire bonjour à qui que ce soit, il se tourne vers moi et il dit « Vous avez beaucoup de talent, vous irez très loin. » Et après, il dit « Ça va, Monique ?» Il embrasse Monique. Et il s'en va. Et puis il dit « Bon, je vais me sécher un peu. » Il est parti prendre sa douche. Voilà. Bah, c'est bien sûr que ça fait partie des phrases. Qui marquent, qui restent. Il vous donnera même un peu plus tard un conseil, Johnny Hallyday, c'est ce qu'il avait confié dans Fréquence Star. Moi j'aime beaucoup Patrick, moi j'ai connu Patrick à l'époque où il chantait des chansons un peu plus marrantes, et un jour je lui ai dit tu devrais chanter des chansons plus costauds, enfin plus hard, un peu plus émotives. Comme il était comédien, il aurait très bien pu chanter par exemple pour Quoi ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Et un jour il vient me voir et on fait une télévision ensemble et il me chante Casser la voix. Et je lui ai dit écoute, c'est ta chanson, à mon avis tu vas vraiment démarrer ta carrière maintenant. Et il ne s'y était pas trompé. Absolument. Chanter avec Johnny au Stade de France, ça vous l'avez fait aussi sur le titre que vous aviez composé pour lui, et puis je sais. En 98, oui. Grand frisson, ça j'imagine. Oui, puis il me tend la main. Dans un moment qui est pas un moment facile pour moi, dans un moment où il y a beaucoup de doutes, que ce soit moi, que ce soit le métier, que ce soit le public, il y a vraiment des doutes. Ça fait 3 ans ou 4 ans que j'ai pas fait grand chose. Et Johnny me tend la main et il me permet de faire une mise au point pour moi, déjà, par rapport à mon position, savoir où je me situe, et puis de voir l'ovation de 80 000 personnes et le regard de tout le métier et de toute la presse ce soir-là, je pense qu'il m'a fait un cadeau immense. Dans une semaine, ça fera déjà 3 ans que Johnny Hallyday nous a quittés. Ça fait long, hein. Il vous manque toujours autant? Ah ouais, beaucoup. Beaucoup, parce que beaucoup de jolies choses s'étaient installées, parce que nous avons nos maisons très voisines à Los Angeles, parce que j'étais très touché par lui, par son histoire. J'étais très touché de nos tête-à-tête, parce que moins il y avait de monde, plus il se désinhibait, plus il parlait, plus il racontait. Et c'était une... Ouais, c'est une chouette personne, quoi.